Soyons tous patriotes de notre université, l'université d'Abomey-Calavi. J'aime mon université, votre émission patriote universitaire. Il n'est plus un secret pour personne que la faculté des lettres, arts et communications flash d'alors a donné naissance désormais à deux autres entités dont la faculté des lettres, langues, arts et communications flac et la faculté des sciences humaines et sociales FACH. Nous sommes aujourd'hui à la faculté des sciences humaines et sociales FACH pour une première découverte. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur J'aime mon université. Voici la partie des interrogations. Étudiez-vous à l'UAC? Oui, là, je fais la géographie et aménagement du territoire. Je suis à la FLASH précisément, j'étudie la géographie. Moi, je suis à la FASEC. J'étudie la géographie. Les lettres modernes. Bon, je suis en philosophie à la FASH. Oh, je suis étudiant en première année d'anglais à la faculté des lettres, langues, arts et communications de l'université d'Abomey-Calavi. J'étudie la philosophie, donc je suis en philo 1. Je suis en géographie. Oh, j'étudie la sociologie. J'étudie la géographie à la FACH. Et pourquoi avez-vous choisi cette filière? La FACH, parce que je voulais faire la sociologie. Et la sociologie se trouvait dans la FACH, en fait, en quelque sorte. En fait, la géographie, pour moi, c'est une science humaine et j'aime tellement les sciences humaines. Voilà pourquoi j'ai choisi de faire la géographie. Moi, j'aime connaître ce qu'il y a par rapport au sol, aux plantes, aux arbres, ainsi de suite. J'étudie la géographie parce que je rêve de travailler sur une chaîne télévisée pour la météo. Oui, c'est ça qui me motive. Appelle la géographie à la FACH, du moins. J'ai choisi d'étudier les lettres modernes parce que depuis le cours primaire, je me retrouvais très facilement dans les matières littéraires. Et juste après mon bac, je me suis inscrit d'abord en philosophie. Et ils ont supprimé mon centre. Donc je n'avais pas d'autre possibilité, c'est pourquoi je m'étais inscrit en philosophie sur le centre universitaire d'Aplapoy. Donc actuellement, comme j'ai trouvé l'occasion m'est présentée de venir au campus national, international, j'allais dire. Je me suis inscrit dans ma filière dans laquelle je me sens à l'aise, les lettres modernes. Là, je suis à l'aise, je me sens mieux. J'ai choisi la géographie parce que c'est une passion pour moi. Et ça a beaucoup de débouchés. Et j'aimerais travailler plus tard dans les projets d'aménagement et de l'urbanisation. C'est vrai, juste après le bac, sinon déjà, même avant le bac, moi-même, je prétendais devenir un professeur de langue anglaise. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a poussé à m'inscrire en langue anglaise. J'ai choisi la FACH parce que, je suis quelqu'un, je me voyais bien en géographie, non seulement en histoire, pour ce qui concerne l'histoire géographie, je suis mieux dedans. C'est pourquoi je me suis inscrit à la FACH. Donc, tout d'abord, depuis le cours secondaire, je suis un passionné de la philosophie et c'est avec grande joie et bonheur que je me suis inscrit tout au début à la FLASH et suite aux revendications, cela a été scindé en deux, donc je suis actuellement à la FACH. Bon, j'ai choisi la FACH parce que d'abord, j'optais faire la philosophie. J'étais amoureux de la philosophie, tout simplement. Comment définit-on la FACH? C'est faculté des lettres, arts et sciences humaines. La FACH, c'est la faculté des sciences humaines et sociales. La FACH, c'est la faculté de l'art et des sciences humaines. Faculté des sciences et humaines et sociales. La FACH se définit comme suit. Faculté
De par le passé, rétrospectivement, c'était la Flash. Maintenant, ils ont changé et la Flash par FASH. Voilà. Faculté des sciences humaines et sociales. La FASH, c'est la faculté des sciences humaines et sociales. Faculté des sciences sociales et humaines. La FASH, c'est la faculté des arts. Des sciences et des arts, c'est la faculté des arts, des sciences humaines, non. Oui. J'en ai aucune idée, moi. J'en ai aucune idée. Puisque moi, je ne suis pas là-bas, donc j'en ai aucune idée. Sincèrement, en toute sincérité, j'en ai aucune idée. Bon, c'est la faculté des lettres, des arts, des sciences humaines. La FASH, c'est la faculté des sciences humaines et sociales. Faculté des sciences humaines et sociales. Quelles sont les entités de la FASH que vous connaissez? Il y a la psychologie, il y a l'anglais, il y a l'anglais, il y a aussi, oui, je crois que c'est terminé. De la FASH que, bon, qui existe, il y a la géographie, l'histoire, la psychologie. Et le linguistique, non, il n'y a pas linguistique, non. Il y a sociologie, il y a l'anglais, bon, l'espagnol. Bon, est-ce qu'il y a même l'espagnol? Il n'y a pas l'espagnol, non. Il n'y a pas l'espagnol, puis ils sont classés au niveau des FLAC. Connais les autres entités de la FASH qui sont la géographie, l'espagnol, l'allemand, la sociologie, etc. Il y a la linguistique aussi, l'allemand, la philosophie, l'anglais. Ils sont préparés. Les LMDO, tout ça, ils sont préparés. Bon, à part la sociologie, la psycho, la géo. Tant d'autres, je n'ai pas tout en tête. Bon, lorsque nous prenons la FASH, je connais le département de la géographie, le département de la philosophie, de la sociologie, de la psychologie. Oui, il y a la sociologie, la psychologie, bon, etc. Oui. À la FASH, nous avons la philosophie, l'histoire et l'archéologie, la sociologie, l'anthropologie, la psychologie, etc. Linguistique. Il y a linguistique, il y a anglais, espagnol, allemand. Oui, est-ce que je connais là-bas maintenant? Bon, je savais qu'il y avait l'histoire, géographie, l'anglais, et la sociologie, un peu de tout. Bon. C'est tout ce que moi j'essaie. À part la géographie, l'espagnol, la philo, bon, quoi encore, l'anglais, ainsi de suite. À part la géographie, il y a l'anglais. Il y a l'anglais, je crois, il y a la sociologie. La sociologie. La sociologie, il y a l'espagnol. Il y a. Bon, c'est tout ce que je connais. Il y a le département de philosophie, département d'histoire et d'archéologie. Bon. Pour la partie des interrogations, nous avons eu diverses réponses tout à l'heure. Voici les vraies réponses. La FASH se définit comme la faculté des sciences humaines et sociales. À la FASH, on retrouve l'histoire et l'archéologie, la géographie, la philosophie, la psychologie, la sociologie et l'anthropologie.
fin de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était la découverte de la Faculté des sciences humaines et sociales, FASH, de l'Université d'Abomey-Calavi. À très bientôt.